Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen Cher Yves, tu es prêt ? Je suis prêt. Rock'n'roll. Je commence par la fin. En quoi et d'où vient cette expression que cette théologie du corps de Jean-Paul II serait une bombe à retardement ? Et quand est-ce qu'elle pète ? Alors, il y a deux choses. Il y a bombe et il y a retardement. La bombe, c'est le côté novateur. On n'avait jamais dans l'Église osé dire ce que Jean-Paul II a dit sur le corps et sur la sexualité. Quand il ose dire que le corps révèle le divin et que notre corps a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère invisible de Dieu, c'est-à-dire le mystère trinitaire, ça n'avait jamais été dit. Donc ça, c'est la bombe. À retardement, pourquoi ? Parce que ce n'était pas pour son époque. Et c'est la raison pour laquelle il avait parfaitement conscience que, un, c'était un enseignement novateur et que, deux, c'était certainement la mission essentielle de son pontificat. C'est ce qu'il devait léguer à l'Église, c'est pour ça qu'il l'a fait tout de suite. Il y a un seul témoignage qui a été donné par Mgr Albacete, qui raconte que dans les années 80, c'est-à-dire au moment où il donnait ses catéchèses sur la théologie du corps, il était à la table du Saint-Père, un déjeuner, et il y avait quelques cardinaux qui essayaient de faire comprendre à Jean-Paul II que c'était pas tout à fait adapté au cadre des audiences générales du mercredi, parce que personne ne comprenait rien. Il les a regardés avec un petit sourire malicieux et leur a répondu « Je le sais bien, mais ça n'est pas pour eux que je parle, c'est pour ceux qui, dans plusieurs décennies, devront s'approprier cet enseignement pour le porter au monde qui, alors, en aura besoin. La foi et l'espérance conduisent à l'amour du prochain. Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Quand on voit la crise abominable et sans précédent que traverse l'Église à tel point que sur les questions du corps et de la sexualité, elles sont complètement discréditées, bien c'est précisément pour cela que nous avons besoin de cet enseignement et que Jean-Paul II nous l'a donné pour aujourd'hui. Donc c'est une bombe, mais elle est à retardement et c'est maintenant qu'elle va exploser.
Caméra 1, 2, 3. Ça tourne. Alors mon père, le sujet, le péché. Le péché du zizi. On parle très souvent du péché de chair. Le péché de chair n'existe pas. Parce que la chair est bonne, et même très bonne. Mais il y a un péché contre la chair, c'est-à-dire un péché contre le projet de Dieu dans la chair. En réalité, le péché d'origine, ce n'est pas évidemment un péché de sexualité, parce qu'ils sont faits pour exercer cette sexualité, ils sont faits pour vivre de la sexualité qui font qu'ils sont un dans une seule chair. Dieu veut faire éprouver à Adam le fait qu'il y a ce que Jean-Paul II appelle une solitude cosmique, c'est-à-dire que l'homme n'est pas fait pour être seul, que l'homme ne peut pas être seul. Adam, lui, moi, je me le représente comme un bon gars. Il creuse son puits, voilà, il bâtit sa cahute. Bref, le gars, il n'est pas contestataire, c'est un bon type. Mais Dieu dit, mais en fait, ça n'a aucun sens, ce truc. En fait, un homme tout seul, elle est où la communion ? Elle est où la communion ? Le gars, lui, vit dans son autosuffisance. Et elle est où la communion ? C'est pas simplement pour le challenger qu'il lui met, qu'il lui donne la femme. C'est parce qu'il lui faut une aide qui lui soit assortie et qui le complète. C'est qu'en fait, il est incomplet. C'est exprimé de façon extraordinaire dans la Genèse. Dieu fit l'homme à son image. À son image, il le fit, l'homme, l'être humain, la personne humaine. À son image, il le fit, homme et femme, il les fit. Et d'ailleurs, Adam, la première parole qu'il prononce, c'est dès lors qu'il y a la femme. En fait, il accède même au langage par la relation. Il accède à l'expérience spirituelle par l'émerveillement, parce que là, il est face à quelque chose d'éblouissant. Et en fait, il accède au sens des choses par la femme. La femme, c'est celle qui donne la finalité. C'est celle qui, par la beauté qu'elle donne, il comprend, lui, que sa puissance d'homme, elle a du sens. La puissance qu'il habite, elle se déploiera au service de ce qui est beau. Que lui, son sens de l'efficacité, en fait, on s'en fout si c'est pas pour quelque chose qui est beau. Adam exulte avec ce cri qui vient des profondeurs, qui à la fois illustre l'amour, mais aussi, je dirais, le désir. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc ça illustre cette exultation. Donc Dieu a créé tout cela pour le couple, pour qu'il soit l'image de Dieu, et c'est peut-être un peu théologique, mais concrètement, à l'image de Dieu, c'est cette intensité de joie et d'amour qu'il y a entre Adam et Ève. Moi, on m'a répété pendant pratiquement toutes mes études que l'homme à l'image de Dieu, c'est l'homme doué d'intelligence et de volonté, l'homme spirituel. En réalité, ça ne suffit pas. L'homme seul n'est pas à l'image de Dieu. Ce qui est à l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme ensemble. C'est, comme dit Jean-Paul II toujours, l'union des deux. Et c'est ça qui est très bon. Et c'est en cela que le couple est à l'image de la Trinité, parce qu'au sein de la Trinité, des trois personnes divines, il y a cette immense intensité d'amour, de joie qu'ils partagent, que les trois personnes de la Trinité partagent entre elles. Et nous, couple, c'est à ce même héritage auquel nous sommes associés. Je suis fasciné par cette expression qui vient encore une fois de Saint Jean-Paul II, mais c'est vraiment notre grand maître dans la matière. L'époux et l'épouse, dans la communion de leur amour et dans l'expression ultime de cette communion qui est dans l'union sexuelle, dans l'union conjugale, l'époux et l'épouse sont icônes de la communion divine qui existe au cœur même de la Trinité. Ça va très très loin, ça. La sexualité a été créée belle par Dieu, pratiquée par Adam et Ève avant l'introduction du péché. Et ce que l'introduction du péché a fait, c'est que ça a dissocié ce côté Trinité de la sexualité, âme, corps et esprit, pour le confiner à deux corps qui s'agitent l'un avec l'autre, mais au niveau physique. Et ça a aussi tordu la notion d'aimer. Quel est mon propre langage d'amour ? Comment je me sens aimée ? Savoir identifier son langage de l'amour, c'est aussi pouvoir l'exprimer à l'autre et donner ce cadeau à l'autre, de lui dire « Regarde, de cette manière, je me sens aimée. » Il faut en parler. Je crois que l'amour, c'est une question de communication et savoir se parler et se dire les choses. Comme on est âme, corps et esprit, quand deux corps se mélangent, c'est quand même très intime cette histoire-là, eh bien les âmes se connectent et les esprits se connectent. Et parce que c'est tellement intime et tellement spirituel, Dieu a donné un cadre sécurisé qui est le cadre de l'alliance.
On peut dire que ce que dit l'Église sur l'amour et sexualité, c'est exigeant. On ne peut pas dire que c'est bête. On ne pourra jamais dire que c'est bête. On pourra tous reconnaître que c'est beau. Dire « j'ai du mal à le vivre », ça s'entend très bien. Dire « c'est bête », c'est pas vrai. Et je crois que c'est important de le dire. Les chrétiens n'ont aucun complexe à avoir par rapport au monde contemporain sur la question du corps et de la sexualité. Nous, nous avons les clés. Mais je crois profondément que c'est l'exclusivité. Que c'est cette fusion qu'on fait à deux lors de la sexualité qui est une profonde source de bonheur. Nous, nous avons de quoi comprendre réellement le corps et réaliser cette vocation du corps. La culture contemporaine ne l'a pas. La culture contemporaine piétine ce qu'elle est incapable de comprendre. D'où l'importance de le soigner. Et je crois que l'Évangile et que l'Église est au service, je dirais, de cet écrin extraordinaire. Il a fallu que Jean-Paul II refasse un travail exégétique qui reprend les textes pour dire non, dès la création, ils ont été créés pour faire une seule chair. D'ailleurs, Jésus lui-même le répète dans un évangile, dans Matthieu 19. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ne faire avec elle qu'une seule chair. Donc bien sûr que cette vision de Dieu, ce dessein de Dieu en fait, ce qu'il avait dans la tête quand il a créé l'homme et la femme, c'était ça, faire une seule chair comme signe de leur unité, de leur communion. Le péché originel, c'est le manque de dialogue entre Adam et Ève. C'est qu'en fait, leur communion n'est pas allée aussi loin qu'il aurait fallu. Oui. Et que lui n'a pas assez transmis la parole de Dieu à sa femme. Il y a une perte de qualité dans la transmission. Voilà. Et elle n'en a pas référé à son mari, dont on nous dit qu'il était à côté d'elle. Voilà. Elle en a fait qu'à sa tête. Elle a engagé le dialogue avec le serpent en se plantant. Et du coup, bah... finalement, si ils avaient véritablement joué le jeu de leur communion conjugale, le serpent aurait fini en string panthère. Bien sûr qu'on est collaborateur, bien sûr qu'on agit, bien sûr qu'on est responsable, mais l'acteur central de l'unité conjugale, dit Jésus, c'est Dieu. Vous voulez savoir qui est Dieu ? Regardez des époux qui s'aiment. Regardez des époux qui communient dans cet amour. Et qui, en communiant dans l'amour, il y a ce jaillissement d'amour qui est la fécondité de l'amour. Ubi caritas Deus ibi est. Où est l'amour ? Dieu est présent. Même si l'homme ne le sait pas, il est guidé par l'Esprit Saint. Il a la puissance de l'Esprit Saint. Même s'il ne le sait pas. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Partout où est l'amour, dit Saint Paul, Dieu est présent. Ah, c'est intéressant. Au moins si on est curieux, même si on n'a pas la foi, et si on découvrir qu'est-ce que dit Dieu du couple et comment Dieu agit, peut agir dans le couple. Venons voir, venons écouter, et après, chacun appréciera. Moi, je viens d'une famille qui est plutôt athée, assez anticléricale même, on peut dire, du côté de ma maman surtout. Et très tôt, dès le lycée, je suis passionné de philo. Et notamment, je découvre les philosophes de l'absurde. Nietzsche, Sartre, Camus, etc. Et à l'époque, ça me mène vers une mission qui est quasiment antichrétienne. Je veux chercher le débat avec les chrétiens pour leur prouver qu'ils ont tort. Pour moi, la foi, c'est vraiment la béquille de la pensée. C'est l'asile de l'ignorance, comme dit Spinoza. Et j'affirme, au contraire avec Nietzsche, que Dieu est mort. Quand j'ai 18 ans, je pars à Lourdes comme accompagnatrice de malades. Je m'entends particulièrement bien avec l'un des jeunes ados, Francesco, qui me demande de l'accompagner et recevoir le sacrement des malades. Et trois semaines après ce séjour à Lourdes, Francesco meurt brutalement. C'est pour moi absolument insupportable. J'en déduis qu'en fait, Dieu ne protège pas ses enfants, que la vie n'a aucun sens, que de toute façon, à quoi bon, vu que tout peut s'arrêter dès le lendemain, en fait. Et au lycée, je suis marqué par le divorce de mes parents, notamment. Et donc, je crois absolument plus en l'amour, absolument plus en l'engagement, et encore moins au mariage. Il y a eu un cœur à cœur tout de suite. Et on était aussi deux personnes très tendres. Donc très vite, on a eu l'impression que c'était très sérieux. Pour moi, ça faisait vraiment peur. L'engagement, le mariage, est-ce qu'on peut être heureux ? Un désir énorme. Et une inquiétude terrible. J'ai vu maman pleurer plus d'une fois. Papa avait laissé traîner des photos de
de sa petite amie. Enfin voilà, c'était donc j'avais un, je sais pas, un souvenir émotionnel qui faisait que j'avais très 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 peur et quelque chose de très sérieux tout de suite. C'est pas possible, ça m'enlève mon autonomie, ça m'enlève ma liberté. L'origine du péché, et c'est là que le démon s'est glissé, c'est pour ça que c'est un péché d'orgueil, c'est que c'est l'illusion de la liberté. L'illusion que pour être libre, il faut être indépendant. Or, l'amour est une dépendance extraordinaire. L'époux qui ne dépend plus de son épouse n'est plus un époux. L'épouse qui ne dépend plus de son époux n'est plus épouse. L'amour est une dépendance formidable. Quand j'aime, je dépends radicalement de celui que j'aime ou de celle que j'aime. Si j'aime Dieu, je suis radicalement dépendant de Dieu. Mais c'est une dépendance qui est source de ma liberté. L'inverse est vrai d'ailleurs, et c'est inouï. Dieu dépend de moi, puisque Dieu m'aime. Donc quand Geoffroy m'a demandé en mariage, j'ai dit oui, et le lendemain, j'étais complètement ravagée par les sanglots et complètement angoissée. Et effectivement, le lendemain matin, elle pleurait toutes les larmes de son corps, en sentant « je suis pas prêt, j'y arriverai jamais », etc. Donc ça a démarré les fiançailles. Des fiançailles difficiles à démarrer. Moi, en fait, avec Aymeric, j'ai eu l'impression de découvrir pour la première fois un amour complet. J'étais comblée. J'étais comblée et en plus, Aymeric appréciait tout ce que j'avais refoulé en moi et m'invitait à le révéler. Donc, ma féminité... mon émotivité, ma sensibilité, le côté artiste, créatif, etc. Oh, mais Aymeric m'encourageait énormément à révéler tout ça. Et du coup, j'ai cru qu'Aymeric était Dieu. Ça, c'est vrai. Et après, ces trois premières années, je me suis vraiment dit, mais oui, l'amour est facile, en fait. C'est vraiment, on est fait pour aimer. Et c'est à ça qu'on reconnaît le véritable amour, c'est que tout est fluide. Quand on se rend compte, les premiers mois, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la période romantique, tout va bien, on admire l'autre. Ce qu'on admire souvent d'ailleurs chez l'autre, c'est ce qu'on n'est pas capable de faire, nous, dans notre propre vie. On va aller chercher chez l'autre des choses qui nous manquent, qu'on n'a pas et qui vont nous faire grandir. Et petit à petit, ce qu'on aimait le plus chez l'autre peut devenir ce qu'on déteste. Alors cette période romantique dure entre 3 mois et 1 an pour les plus chanceux. Au bout d'un moment, c'est même souvent ce qu'on admirait le plus qu'on déteste. Tout ce début amoureux, c'était la phase de passion, qui est en fait une phase facile, où on se révélait l'un l'autre ce qu'on croyait ne pas être finalement. Capable de déplacer des montagnes, de se rater le train pour rater les cours pour se retrouver ou rester ensemble. Et toute cette phase-là était très facile. Après, il s'agissait plus de voir et d'identifier à partir de quand il a fallu mettre en place cette volonté de s'aimer. C'est comme si c'était un acquis scientifique qu'une fois marié, l'amour va mourir et puis il restera 2 amis ensemble. Mais c'est complètement faux. Si on investit dans son couple au quotidien, moi, je ne vais pas dire que j'aime plus Rachel que quand je l'ai rencontrée, mais je l'aime mieux, ça c'est sûr. Donc en fait, c'est un travail, c'est un investissement. Et le fait de se dire « si tu m'aimes, tu devrais savoir », ça, il faut absolument lui serrer le cou à cette croyance qui est fausse, qui est un mensonge. Le coup de foudre, c'est quoi au niveau hormonal? C'est une décharge d'une hormone qui s'appelle la phényléthylamine, qui donne cette sensation de papillon dans l'estomac, les mains moites, je perds mes mots quand je le vois, etc. Cette hormone, elle dure entre 6 mois à 2 ans dans le cadre d'une relation. C'est qu'elle peut être entretenue et on peut ranimer la flamme. Genre rendez-vous amoureux, date, une fois par semaine, qui vont créer un scénario où je consacre 2 heures de ma semaine à retomber amoureux de toi, en fait. L'explication, c'est qu'avoir un mariage heureux, ça se travaille. Souvent, on se dit, si tu m'aimes, tu devrais savoir. Si tu m'aimes, tu devrais... Comme s'il y avait le fait d'être amoureux l'un de l'autre, ça nous donnait une connaissance intuitive de l'autre. Mais c'est faux. On a complètement renversé les choses. Vous comprenez? La plupart du temps, ça se passe bien, on s'aime, d'ailleurs on a essayé, ça marche bien. Et dans l'amour, il faut bien essayer. Et parce que ça marche, Mais non, c'est pas parce que ça marche qu'on va s'aimer. C'est parce qu'on a décidé de s'aimer que ça va marcher. Et qu'on fera ce qu'il faut pour que ça marche.
Et arrivé en école, là, je me laisse très facilement happer par une sorte de soif intarissable qui me pousse très facilement vers certains excès. Et j'avais reçu quand même cette éducation de la part de mes parents que l'amour, il y avait une conscience que c'était l'un des sommets de l'existence à vivre. Je rencontre quelqu'un, à peu près au moment où Francesco meurt. Comme j'attendais de l'amour, que ce soit le grand amour, même si je ne suis pas du tout épanouie dans cette relation, même si je ne suis pas heureuse, j'ai énormément de mal à m'en sortir. En plus, à partir du moment où je me suis donnée, j'ai l'impression d'être coincée, quoi. Et puis, c'est une relation d'ado, j'ai envie de dire, donc qui n'est pas vraie, complètement immature. C'est l'amour de l'amour et ce n'est pas l'amour de l'autre. Et du coup, ça laisse des traces, parce que je pense que j'ai pas forcément été aimée pour ma personne. Et on se rencontre dans un concert de rock. On se pose sur une petite banquette et on parle toute la soirée. Et tout de suite, c'est des discussions sur le sens de l'existence. On est très vite sur une relation qui est extrêmement vraie et donc qui crée un lien extrêmement fort entre nous. Voilà, on vivait ensemble à ce moment-là. Geoffroy avait démarré un travail, il était très pris par son travail. Moi, je me suis trouvé du mal à trouver ma place. Enfin, tout ça faisant, on est arrivé à 5 ans de mariage et on n'était pas bien. Il s'en ressent aussi nos relations intimes et ça se passe moins dans la joie. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a de moins en moins de relations. Je passe plus en mode reproche ou en mode un peu quémander la relation. Et ça, ça nous éloigne, ça nous fait du mal. Ouais. Et on est entré dans une période où, en fait, Aurore s'enfermait quand même pas mal. Moi, je manquais d'affection, je manquais d'union, en fait. Et à un dîner, un copain parle de site porno et il me dit « mais il y en a qui sont gratos, c'est hyper facile ». Donc moi, je commence à me laisser tenter. Je démarre une période pendant 6 mois où je regarde de plus en plus souvent et ça commence réellement à prendre la tête. Au-delà de l'expression, c'est-à-dire après, les images s'impriment. Je trouve pas en fait ce que je recherche, ça me comble pas. Et les relations avec Aurore deviennent de plus en plus compliquées. Et donc, on rentre dans une spirale où je cherche de plus en plus un plaisir individuel au lieu que ce soit un plaisir de couple. Un des multiples problèmes de la pornographie, c'est qu'elle est addictogène. Donc elle a un pouvoir très fort de nous faire entrer en addiction. Donc il y a un risque non négligeable de perdre le contrôle de sa consommation. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais beaucoup de mal à parler et c'est une période où, pour moi, c'était très difficile. J'étais très en colère parfois après certaines unions parce que je sentais que ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Enfin, on n'était pas dans une communion d'amour. Il y avait un désir, une quête de plaisir qui... Enfin voilà, j'étais en colère, j'étais très en colère. La pornographie nous donne à voir une sexualité qui est totalement immature et irrespectueuse. Et à partir du moment où on la regarde, qu'on le veuille ou non, on s'en imbibe, on s'en imprègne. Et donc regarder la pornographie, c'est finir par penser un peu comme ce qu'on regarde. Et à force de penser, eh bien soi-même, on le pratique plus ou moins. Non, j'avais une énorme colère et je hurlais. Vraiment, j'ai beaucoup prié et je lui disais pas parce que je pouvais pas parler. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Aurore confiait nos unions dans la prière. Et moi, je confiais, un, mon combat, parce que ça commençait à devenir un combat. Et deux, nos unions, je les confiais à Marie. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et en fait, le premier tilt, c'est quand un jour j'ai vu Jasmine revenir avec un bouquin qui s'appelait « Ensemble mais seul », donc la solitude du couple. Et là, je me suis dit « Merde, il y a un problème ». Et un jour, on a reçu une invitation pour une retraite pour les couples. En se pointant à cette retraite, il y a un des exercices qui était justement d'écrire une lettre à son conjoint. Le sujet, c'était « Si je devais mourir demain ». Qu'est-ce que je te dirais ? En vérité, sans nous retenir, sans nous abriter derrière des fausses pudeurs, Marie nous accompagnera pendant tout ce week-end pour faire cet enfantement du Christ en nous que seule elle sait faire. Je suis tombée au fond du gouffre.
Parce que le fait que le mariage soit en deçà de mes espérances, que j'ai l'impression qu'en fait je me suis fait avoir depuis 7 ans. Mais là j'ai vraiment réalisé que si je devais mourir demain, eh ben en fait ce serait une délivrance. Parce que j'avais une telle soif d'être aimée, et en fait je me sentais pas aimée. Et la vie ne valait pas le coup d'être vécue en fait, si je me sentais pas aimée. Et j'ai écrit cette lettre dans un grand désarroi, et à la fois ça a été quelque chose de libérateur pour moi. Et donc je l'ai donnée à Aymeric, et je lui ai lu. Et je l'ai reçu en pleine face de manière hyper violente, avec ce sentiment de vide, comme si j'étais au-dessus d'un gouffre. Je me suis dit, en fait, ça fait 7 ans qu'on a fait de la merde, quoi. En fait, on a un peu fait l'expérience d'Adam et Ève au jardin. Ouais. On est nus. Exactement. Et en fait, on prend conscience de notre péché, et que Dieu nous dit, mais où es-tu ? Je crois qu'un couple heureux, il est constitué de deux individus, de deux personnes qui ont appris déjà à savoir qui elles sont, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, quelle est mon histoire, quels sont mes projets, quels sont mes désirs, et être capable de s'affirmer. Et d'ailleurs, cette nuit-là, quand je rencontre Thomas en boîte de nuit, il essaie de m'embrasser et je refuse. Pour moi, c'est hors de question, en fait. Du coup, je deviens fou. En fait, j'avais jamais rencontré avant Thomas quelqu'un qui est comme ça, non baptisé, athée, virulent, cherchant à me convaincre que la vie est absurde, que tout mène au néant. C'est la première fois que je rencontre une soif aussi forte que la mienne, mais qui est allée chercher dans la direction opposée à ce qu'on a pu me raconter dans l'enfance. Je me dis, mais en fait, je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte, en fait. Ça me va pas. Je pense que l'amour peut exister. Et je me dis, mais mes parents, ça, c'est la preuve. Ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, je les entends encore rigoler. Moi, j'ai lâché ma foi, j'ai un peu renié mon baptême depuis la mort de Francesco. Mais du coup, à ce moment-là, je me dis, c'est pas possible, il faut que je recommence à chercher. Donc, j'ai une amie qui m'invite en Pologne à partir en Pélée à ce moment-là, sur les traces de Saint Jean-Paul II, et je suis extrêmement marquée, en fait. Parce que pour moi, c'est un homme qui a choisi de donner toute sa vie à Jésus. Je comprends pas pourquoi il a donné toute sa vie à Jésus. Je me suis confessée pour la première fois en Pologne depuis 10 ans. Et je redécouvre par Jean-Paul II la promesse de l'Église pour nous. La promesse de bonheur, en fait. Notamment par sa pièce de théâtre, La boutique de l'orfèvre, qui est extraordinaire, en fait. Où de nouveau, en fait, on me parle de cet amour absolu qui existe, on me parle du mariage, on me parle de Dieu qui s'implique dans la vie des époux, qui leur donne ce bonheur. Je donne un paquet à Thomas, mon carnet de Pélée, les écrits de Saint Jean-Paul II, des DVD qui racontent sa vie, ses pièces de théâtre. Je ne peux pas lui partager que j'ai déjà vécu une forme de consolation à ce pèlerinage, que mes blessures, vieille la mort, la souffrance sont en train de guérir. J'ai aussi senti Dieu qui venait me chercher, me relever, me redonner tout son amour. Et quand je reviens le lendemain matin, sur le campus, il a tout lu, il a tout regardé. Et il est allé lire et regarder 50 trucs en plus, il a passé une nuit blanche. Et du coup, ça me rend complètement fou, parce que plus je lui parle de Nietzsche, et plus elle me parle de Jésus. Et ce nom me mettait mal à l'aise. Parler d'un Dieu extérieur et transcendant, ça passe. Mais Jésus, ça remue quelque chose en moi. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce qui m'a guéri, c'est la confession. Dans plusieurs confessions, j'osais pas trop nommer les choses. J'ai des comportements pas ajustés, etc. Bon, il se passait pas grand-chose. Et un jour, à une confession, j'ai mis les mots, les vrais mots, et je dis voilà, je suis vraiment emmerdé avec ça, si on passe l'expression, je suis vraiment embêté avec ça. Et le prêtre m'a accueilli avec vraiment avec une compassion, avec amitié, avec amour, avec l'amour de Dieu. J'étais hyper touché, et puis même aussi de façon hyper pragmatique, en disant tu peux mettre des trucs sur ton ordinateur, comme ça si t'es tenté, etc., etc. Et surtout, il m'avait dit, alors il ne savait pas que j'étais marial, il m'a dit, et puis la prière, quand t'es tenté, tu pries. Je peux vous dire un truc, c'est que un jour le salut Marie, quand tu es tenté d'aller sur un site, ça arrête tout de suite. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, c'était fini. J'ai vraiment arrêté complètement. Et voilà, il n'y a pas eu de. Voilà, il y avait des tentations, mais je priais et ça marchait bien. Pour une personne croyante qui souffre d'une addiction, tout attendre de la grâce,
C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Oui, la grâce agit, la grâce peut aider, la grâce peut beaucoup, voire tout. Mais la personne addicte ne doit surtout pas tout attendre de la grâce, parce que si elle attend tout de la grâce, elle ne va rien entreprendre d'elle-même. Elle ne va rien attendre de ce qu'elle peut faire par ses propres moyens. Il y a aussi tout un travail psychothérapeutique, un travail en profondeur sur l'histoire, sur le passé, mais il y a aussi un engagement dans le présent pour reprendre le contrôle de sa vie, changer des choses, remettre de l'hygiène de vie, par exemple aussi mettre en place un bloqueur, voilà, tout un tas de petites choses, des initiatives qui sont importantes. Une phrase que beaucoup de personnes croient extraite de la Bible, alors que pas du tout, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ça vient pas de la Bible, c'est la morale d'une fable de La Fontaine. Mais la grâce, elle agit sur la nature. Et donc, si la nature ne s'ouvre pas pour accueillir la grâce, il ne se passe rien. Je me suis mise à pleurer. C'était très, très, très douloureux. Je me souviens que j'ai été voir un prêtre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et je souffrais. Et il m'a dit « Allez parler à votre mari ». Avant cette veillée, il y avait un témoignage d'un couple qui parlait de leur sexualité, d'une période de pornographie qui avait perturbé le mari. Moi, j'étais plus dans cette période. C'était une période qui était révolue, mais pas depuis très longtemps. Et moi, j'entends ça et je commence à me sentir mal, mais de plus en plus mal. Une espèce de boule dans le ventre, d'angoisse qui monte hein, tout le corps. Je me mets à genoux, je prie. Et là, me vient dans le cœur, très profondément, qu'il fallait que je le raconte à Aurore. Donc là, je repris encore un coup en disant « mais non, mauvaise idée ». Et ça revient, et ça revient, et ça revient très fortement. Et donc, je me dis « ok, si c'est la volonté de Dieu, eh ben, je vais reprier, et je vais demander au Seigneur le courage et les outils pour le faire ». Je me retourne, je prends la main d'Aurore, et je dis « viens mon amour, on va aller se promener, on va aller marcher dans le jardin ». Et là, Geoffroy me dit ce qu'il a vécu depuis 6 mois. Il me demande pardon. Et à ma grande surprise, en fait, je me sens complètement remplie de miséricorde. J'avance, moi, cette définition de la tendresse. C'est la manifestation dans les gestes de la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour qui se fait plus petit, l'amour qui se fait plus bas que l'autre. La miséricorde, c'est l'amour qui agit par-dessous pour relever l'autre, pour élever l'autre. Et ça a été une libération pour moi, qui me parle en vérité et qui me dit ça. Pour guérir, à un moment donné, il faut accueillir la lumière sur nos blessures et il faut consentir, donner un vrai consentement à ce que le Seigneur puisse nous guérir personnellement, et nous apprenons peu à peu à nous ajuster l'un à l'autre et à nous faire miséricorde de ce que nous sommes, à être non pas dans une hostilité, une gêne de ce que l'autre soit différent de moi, mais que petit à petit nous apprenions à recevoir l'autre dans sa beauté et dans sa grâce, et à nous donner à l'autre dans la confiance et dans la paix. J'ai senti un amour pour lui et j'ai pu aussi, c'est-à-dire que quand il m'a dit ça, après moi j'ai pu aussi lui demander pardon, et j'ai eu envie de lui demander pardon pour mes murs de silence. Pour tout ce que, parce que je savais bien que, voilà, si j'avais pu parler, si j'avais pu, ça aurait été tellement plus facile entre nous. Et du coup, il y a vraiment, on a reçu une grâce. C'est moi, j'ai été guérie de cet emmurement. Et Geoffroy. Moi, j'ai pu recevoir vraiment cette conviction que on sépare pas le corps, le cœur et l'âme, et que c'était vraiment le trio gagnant. Et depuis cette guérison là. Il y a un accueil de la part d'Aurore par rapport à ma masculinité, à mes désirs. Moi, je me sens beaucoup plus ajusté. La façon dont je regarde Aurore, la façon dont je me donne à elle, c'est, les choses se sont ajustées. Je crois qu'on a découvert quelle était la chasteté, en fait, oui. Dans le couple. La chasteté dans l'union sexuelle. Parce que la chasteté n'est pas l'abstinence, hein, ce que j'ai cru pendant très longtemps. En fait, pas du tout. La chasteté, c'est juste ordonner la sexualité à l'amour.
Peut-être que aussi notre capital d'amour avait fondu et que là on se rendait compte que ben il restait plus grand chose, mais qu'il fallait faire en sorte que ce qui nous reste, on le refasse grossier. C'est vraiment à partir de ce moment-là que on a mis de l'intention dans notre façon de vivre notre amour. On a posé des jalons et ces jalons, ça a été de reconstruire notre communication aussi. Et de la reconstruire, on ne savait plus faire. Hein. De la reconstruire, ça a été aussi de s'appuyer sur des parcours qui sont proposés dans des livres pour parler de tout et de rien sur le couple, mais de tout aussi sur la sexualité. En fait, je pense que des couples qui n'arrivent plus à se parler, c'est des couples qui ne vont plus chercher à comprendre l'autre. Te regarder de nouveau dans un regard de tendresse, et dans ce regard de tendresse, je vais pouvoir me mettre à nu. Et tout l'amour, toute la vie de l'amour consiste à peu à peu se mettre à nu pour être en vérité l'un devant l'autre. Une fois qu'on en a pris conscience, on choisit ensemble, mais comment on va faire dans ma relation, dans notre relation, pour aller guérir un petit peu cet enfant intérieur qui a souffert. Je suis actrice de ma vie, je suis actrice de mon couple, je suis actrice de ma relation. J'attends pas que l'autre fasse tout, j'attends pas que l'autre vienne me guérir, j'attends pas que l'autre me rende heureuse. Je suis responsable de mon propre bonheur. Et que toutes ces amertumes, ces insatisfactions qu'on peut ressentir dans l'union de nos corps, ils viennent révéler des amertumes et des insatisfactions qui sont beaucoup plus profondément inscrits en nous et parfois qui sont inscrits dans notre histoire depuis notre plus tendre enfance. Dans un conflit de couple, ce qui est compliqué, c'est que l'autre vient appuyer sur une blessure de mon histoire, sur ce qu'on appelle l'enfant intérieur qui a été blessé, sur un moment de mon histoire où j'ai gardé une émotion négative. Quand il fait ça, paf, ça vient appuyer là et j'explose. Et des fois, c'est sur des petits détails qu'on arrive à exploser. Quand on démarre notre vie de couple à deux, on ne sait pas forcément ce qui va nous faire réagir, ce qui va nous faire du mal, ce qui va nous faire du bien, etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi voir des thérapeutes pour travailler ensemble, pour relire son histoire et pour pouvoir aller comprendre qu'est-ce qui fait que je me mets en colère à ce moment-là précis de notre histoire. Qu'est-ce qui fait que ça, je ne le supporte plus. Et malheureusement ou heureusement, mais c'est Emery qui me révèle tout ça. Et il y a deux options. Soit je lui en veux, soit intérieurement et oralement, je peux le bénir parce qu'en fait, il révèle chez moi tout ce qui a encore besoin d'être sauvé. Ça m'a permis aussi d'accepter qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Elle n'a pas de mode d'emploi. Et donc, ça veut dire qu'il faut que j'accueille l'instant où on s'unit comme un cadeau aussi et pas comme « Ah, attends, comment je vais m'y prendre ?» Eh bien, ça se traduit par des gestes. Alors, il y a la tendresse. La tendresse quotidienne de tout un chacun, puis il y a la tendresse conjugale qui entre dans l'intimité des corps, l'intimité des cœurs qui se met à l'unisson de l'intimité des corps et l'intimité des corps qui se met à l'unisson de l'intimité des cœurs. Et c'est par ce moment où je vis que, en fait, il n'y aura forcément pas d'échec puisque c'est quelque chose qu'on vit ensemble. Parce que si je ne suis pas en relation avec l'autre, si j'ai vécu mon petit moment toute seule, ça n'a aucun intérêt. Puisqu'on l'a dit, la relation sexuelle, c'est d'abord et avant tout être en lien et être en relation et partager un moment ensemble. Donc j'ai presque envie de dire, mais l'orgasme, il est presque secondaire. On n'est pas là pour avoir un orgasme. L'orgasme, c'est la cerise sur le gâteau. On est passé en tout cas de la performance à la présence. La performance, c'est pour un rapport sexuel et la présence, c'est plutôt dans une relation, dans une union. Et quand on est pleinement présent l'un à l'autre, quand on se donne et qu'on se reçoit, quand on vit l'un et l'autre ce temps, quel qu'il soit, sur toutes les variations possibles, il n'y a pas d'échec. Je lui mets un ultimatum à Victoire. En sortant d'école, je te demanderai en mariage. Donc si tu sais déjà que tu n'épouseras pas quelqu'un qui est non baptisé et athée, dis-le moi tout de suite et puis on arrête de perdre notre temps. On sait tous les deux à ce moment-là que si on se lance, ça va bouleverser le cours de nos deux vies. Et à ce moment-là, on décide de sauter. Et on finit par arriver à un séminaire organisé avec des philosophes, des politiques, des journalistes qui viennent témoigner de leur foi. Ça se passe super bien au début, je suis hyper contente de l'avoir emmené là. Sauf qu'en milieu de ce séminaire, il y a une messe. Il y a une messe et en fait, Thomas n'était jamais allé à une messe. J'ai même pas besoin de regarder.
caresser son visage. Je sens l'air qui se durcit et je sais qu'il est en train de vivre un rejet extrêmement violent. On est en pleine élévation. Je vois Thomas qui se lève, il traverse la nef, il ouvre les doubles portes-battants de l'église et il part. Où j'ai vu l'hostie et tous ces chrétiens à genoux. Pour moi, c'est vraiment le moment où Nietzsche s'accomplit. Parce que c'est l'humiliation des faibles qui se mettent à genoux devant un bout de pain. C'est complètement absurde. C'est la défaite de l'intelligence. Bref, c'est vraiment ce que décrit Nietzsche, le christianisme comme une religion d'esclaves. Pour moi, c'est insupportable. Et à ce moment-là, moi, j'aurais dû m'effondrer. Et sauf que, extrêmement mystérieusement, je ressens une immense paix. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, pour la première fois de ma vie, la conviction que Jésus est présent, qu'il est là, qu'il s'occupe de moi, qu'il s'occupe de Thomas, qu'au passage il me dit « Non mais va pas le chercher, là, cours pas après lui, essaye pas de le retenir avec tes petits bras, moi je m'en occupe, c'est pas toi qui va y arriver. » Donc tu restes là, donc je me mets à prier vraiment. Et je ressens comme un appel extrêmement fort de la part de Jésus à changer nos vies. C'était clair que ce serait des fiançailles chastes, ce qui explique aussi que ça nous est paru long. Aussi la nécessaire adaptation l'un à l'autre, parce que quand ça dure, il faut aussi se roder un peu. Donc c'est quelquefois difficile. Très concrètement, on s'embrassait et on essayait de ne pas aller plus loin. Après, en avançant dans la période de nos fiançailles, il m'est arrivé un certain nombre de fois d'avancer un peu dans mes caresses. Je me rappelle une fois où on s'est retrouvés après, pendant que je faisais mon service militaire, on a été limite de s'unir tellement on était heureux de se retrouver. Le langage des corps, de nos corps, c'est quand même quelque chose qui est très très fort. Et on voulait aussi avancer dans la connaissance l'un de l'autre autrement. Et avancer trop vite dans ce langage physique, nous avions le sentiment que ça nous aurait un peu peut-être... ça aurait occupé tout l'espace. Et peut-être qu'on aurait eu moins de recherche, de découverte l'un de l'autre. On a été élevés dans des familles très, très croyantes et pratiquantes. On a bien préparé notre mariage et naïvement, on pensait que ça nous mettait à l'abri, qu'on aurait une belle route où nos enfants grandiraient dans la foi et que tout coulerait de source. Et on a appris au fil du temps que c'était pas si simple. La vie de couple, ça s'apprend. Aimer, ça s'apprend, c'est pas inné. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. C'est le coup de foudre, on s'aime et on va s'aimer toute notre vie. Non, ça c'est pas vrai. Les difficultés font partie de la vie de couple. Et bien évidemment, on peut apprendre à les surmonter. Et là, quand j'ai invité Evelyne à danser, j'ai été séduit par le sourire d'Evelyne. Je lui demande l'heure, il avait un verre à la main, et à ce moment-là, il regarde l'heure, il me donne l'heure, et évidemment, son verre se renverse sur ses pieds. Et alors là, je me suis dit, ce type, vraiment, il vaut le coup. Olivier, il avait déjà eu des expériences, en fait. Oui. Et moi, pas vraiment, pas du tout même, enfin, pas sexuel. Et du coup, ça a pris un peu de temps. Olivier, il me semble, avait plus envie que moi. On peut dire ça, je crois. Ouais. Donc, il était un peu insistant quand même. Mais bon, comme c'est vrai qu'on savait qu'on était quand même, on avait quand même un projet de vie ensemble. Pour être très honnête, je pense qu'il y avait un petit calcul en me disant, si je dis non, je risque de le perdre. On peut dire que dans ses premières expériences, c'était plutôt... j'allais dire, moi qui me servais, c'est dur à dire, hein, mais bon, à un moment donné, faut que tu regardes les choses en face. Hein. C'est moi qui me servais du corps d'Evelyne pour le plaisir, même si j'aimais Evelyne. Je dirais que ce qu'on n'avait pas du tout, c'était la notion de chasteté, en fait, je pense. On ne savait pas ce que c'était que la chasteté. La chasteté, c'est en fait l'application de la charité, de l'amour divin,
à notre amour et à notre sexualité. En fait, il s'agit d'apprendre à voir l'autre et à se voir, d'ailleurs, soi-même, tel que Dieu nous révèle l'un à l'autre, tel que Dieu nous montre ce que nous sommes, selon la vérité de notre être. La première conséquence du péché, c'est la découverte de la nudité. La nudité dans la honte dans la nudité. Pourquoi ? Parce que le regard de l'autre est devenu une agression. Si ce n'était pas le cas, le diable nous ficherait la paix avec la sexualité. Parce qu'en fait, la sexualité, ce n'est pas lui qui l'a inventée. Lui, il en est le destructeur. Tout simplement parce qu'il est jaloux depuis les origines de l'homme en qui Dieu a voulu mettre son image alors qu'il considérait que son image de Dieu devait être en lui. Car, n'oublie pas, Lucifer, Lux Feris, celui qui porte la lumière, porte son nom parce qu'il est la créature à laquelle Dieu a donné la plus haute connaissance qu'il pouvait donner de lui-même. Lucifer est celui qui a reçu de Dieu la plus haute connaissance que Dieu pouvait donner de lui-même, de Dieu, à une créature. Et donc, tout naturellement, l'image de Dieu, ben, elle est en lui. Eh ben, Dieu a voulu le mettre dans l'humilité des chairs données de l'homme et de la femme. Et bien ça, non serviable. Et donc c'est un adversaire de l'incarnation. Et il n'a de cesse que de piétiner l'incarnation. Donc tout ce qui tourne autour de l'incarnation, c'est la compréhension du corps, l'intelligence de la sexualité, l'ordre de la sexualité, c'est la finalité de la sexualité. Il n'en veut pas, il bousille ça, il ravage ça, il massacre ça, il le piétine, et il veut faire en sorte que sur ces questions-là, sur toutes les questions qui tournent autour de l'incarnation, corps, sexualité, amour, nous nous taisions. Il veut nous museler. Je comprends à ce moment-là qu'il faut que je change ça. Que je veux plus qu'on fasse l'amour. Que je veux qu'on apprenne à s'aimer sans les corps. Que je veux plus qu'on vive ensemble. Et donc Thomas finit par me dire « Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Mais je te suis quand même. » J'avais vraiment soif et je voyais dans le cœur de Victoire que c'était pas parce qu'elle ne m'aimait plus, mais c'est parce qu'elle avait justement envie de viser le sommet de cette montagne. J'ai une foi qui est vraiment naissante à ce moment-là et que du coup, je commence à creuser. Donc, je vais me former en théologie. Je veux lire les Écritures. Je veux découvrir ce que l'Église raconte. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse millénaire de l'Église ? Pourquoi elle recommande aux jeunes amoureux de ne pas s'unir avant le mariage ? Faire l'amour avec quelqu'un avec qui, en fait, on n'est pas marié, même si on a le projet de se marier avec cette personne, c'est quand même montrer à cette personne que je peux faire l'amour avec quelqu'un avec qui je ne suis pas marié. C'est lui dire, en fait, oui, je vais te promettre le jour du mariage que je ne ferai l'amour qu'avec toi, mais en fait, en attendant, je te montre que je suis capable de faire l'amour avec quelqu'un qui n'est pas mon conjoint. Je découvre qu'elle raconte ça parce qu'elle dit que ça permet de construire un amour libre, un amour vrai, un amour profond, et qu'en fait, finalement, l'union des corps sera encore plus belle après qu'on ait aligné nos cœurs et nos âmes, et que finalement, donner mon corps est une forme de mensonge. Le message qu'on envoie, c'est que la vérité, la situation spirituelle de cette personne que j'aime passe en second par rapport au désir que j'ai qu'on fasse l'amour. Parce que je ne suis pas prête à dire à Thomas que je vais l'épouser, je ne suis pas prête à lui donner ma vie, je ne suis pas prête pour lui donner mon âme, mais je lui donne déjà mon corps. Il y a une forme de mensonge en fait. Je lui dis oui alors que je lui dis non. Je te regarde dans ce que tu es aujourd'hui, nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Eh bien, donc je te respecte comme frère et sœur. Et j'exprime mon amour de manière fraternelle. Et du coup, demain, j'exprimerai mon amour de manière conjugale. Mais ce qui est premier, c'est mon regard sur notre position spirituelle. Mais si je fais l'amour avec toi, je suis en train de te faire la preuve que je suis capable de faire l'amour à quelqu'un qui n'est pas mon conjoint. Quand je célèbre un mariage, je leur dis souvent en introduction, je vous regardais tous les deux entrer au ciel le jour de votre mort. Je vous regardais tous les deux entrer dans la salle du trône. Et Dieu te dira à toi, Jules, comment es-tu si saint ? Et tu diras au Seigneur, gloire à toi, c'est elle que tu m'as donnée qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et toi, Julie, comment es-tu si belle et si sainte ? Oh Seigneur, gloire à toi pour l'éternité, c'est lui que tu m'as donné et c'est lui qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui.
Et c'est l'un et l'autre, l'un par l'autre, se sont sanctifiés, et se sont sanctifiés particulièrement dans la sexualité. La sexualité, c'est l'expression la plus intime et ultime de leur amour. C'est là que se situe le terrain du plus grand danger, parce que c'est là que c'est le plus fragile, mais c'est aussi là que se situe le terrain de la plus grande sanctification, parce que c'est là que Dieu agit en premier, parce que Dieu est amour, et c'est là le lieu de l'amour en particulier. Le mariage, c'était vraiment l'engagement, à partir du moment où il y a ce fait de prononcer cet engagement devant Dieu, de se donner l'un à l'autre pour la vie. Moi, je dirais que presque plus que devant Dieu, c'est avec Dieu, avec le Seigneur, qu'il soit vraiment au cœur de notre engagement et qu'à partir de ce jour-là, on était trois et on est resté trois, même si à certains moments, on l'a mis un peu de côté. Professionnellement, je me déplaçais beaucoup. J'ai toujours eu du mal à parler. Donc même si on était en contact téléphonique, je partageais rien à Raphaël de ce que je vivais. Quand Pierre rentrait, il n'avait qu'une envie, c'est qu'on s'unisse. Et moi, j'avais vraiment besoin qu'on se retrouve, qu'on parle, qu'on partage notre semaine. Et je ne pouvais pas me donner à quelqu'un qui ne donnait rien de lui, en fait. Et c'est particulièrement difficile dans la vie moderne, qui est trop rapide, qui est trop prenante, qui va à toute allure, qui détruit tout sur son passage. On a des vies objectivement très déréglées aujourd'hui. On a des vies très déséquilibrées aujourd'hui. Il faut être dans la norme, il faut être conforme à un modèle, il faut reproduire certains stéréotypes. Et tout ça contribue à déséquilibrer l'union des époux. Et dès qu'il y a un peu de distance qui se met entre eux, le démon agit. Et le démon n'a qu'une idée, c'est de séparer ce que Dieu a uni. Je me suis enfermée, je me suis endurcie même. Moi, j'avais le sentiment d'être utilisée. Du coup, il y avait que mon corps qui comptait pour lui. Pierre, lui, il n'arrivait pas à me dire que ce n'était pas le cas, qu'il y avait bien autre chose, mais il ne le disait pas, donc je ne pouvais pas le deviner. On s'est un petit à petit éloignés l'un de l'autre, ouais. Moi m'enfermant dans mon refus, en fait, dans mon blocage, parce que je finissais par plus supporter qu'il me touche. La notion d'amour, selon le cœur de Dieu, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc quand tu aimes, tu donnes. Dans la sexualité, il n'y a pas de meilleur épanouissement quand les deux choisissent de donner à l'autre, en fait. Les débuts du mariage se passent un peu sur les chapeaux de roue. On a eu des enfants rapidement, rapprochés. Moi, je m'occupais beaucoup des enfants. J'ai arrêté de travailler parce qu'on est parti en province. Olivier, il était focus travail. Mais je voyais qu'elle n'allait pas très bien quand même. J'avais repéré ça parce qu'Evelyne, elle voyait un psy. Et pour moi, quand tu vois un psy, c'est que ça va pas. Et puis, quand on avait des rapports sexuels, moi, je trouve que ça se passait plutôt bien. Donc je me disais, bon, si jamais ça va bien de ce côté-là, c'est qu'en fait, tout va bien. Moi, en fait, il y avait un grand vide, c'est-à-dire que j'avais besoin que Olivier soit là, m'écoute, me soutienne. Et il n'était pas tellement là, mais le problème surtout, c'est que j'arrivais pas à lui dire, en fait. J'arrivais pas à lui exprimer cette souffrance et ce manque que j'avais de lui, finalement. Et du coup, le problème, c'est que j'ai pas réussi à lui dire et je suis allée chercher en fait ailleurs, auprès d'autres hommes qui me semblaient plus disponibles, cette écoute dont j'avais besoin. Lui me téléphone, mon père, elle fout le camp. Depuis quand ne l'as-tu pas pris dans tes bras? Je sais ce que je sais, moi. Depuis quand ne l'as-tu pas pris dans tes bras? J'en sais rien, moi. Attendez que je réveille. Mais ce matin, tu ne l'as pas pris dans tes bras? Ne t'étonne pas qu'elle s'en aille. Elle va chercher dehors ce qu'elle trouve plus à la maison. On s'organisait, voilà, pour se voir avec l'un. On s'organisait des rendez-vous en plus. Pour discuter, en fait, pour parler, pour... Sans passage à l'acte physique, hein. C'était un adultère quand même, quoi. L'adultère, c'est pas une recherche de sexualité. Dans l'adultère, on va aller chercher ce qui nous manque dans notre relation, c'est-à-dire la complicité, l'amitié, la valorisation. Tous les ingrédients qui font pour qu'on se sente heureux, on les perd dans notre relation de couple, donc on va aller le chercher dans une autre relation de couple. Avec l'un, et puis après avec un autre. Il y a eu une attirance finalement. Et puis c'était sans doute des hommes qui étaient aussi peut-être pas très
ajustés dans leur relation parce qu'ils étaient mariés aussi. Et souvent, quand le couple est en difficulté, on voit que la sexualité est en difficulté aussi, donc ça va ensemble. Donc forcément, quand on retrouve dans le regard de quelqu'un de l'estime de soi, ben forcément le désir de s'unir va avec. Mais je ne crois pas que dans l'adultère, ce soit la sexualité qui soit premier. Quand les époux sont réellement forts, sont ensemble, sont un, ils sont forts et même indestructibles, mais dès qu'il y a un petit peu de distance qui se fait, manque de communication, manque de temps, une sexualité fragile, les époux qui prennent un petit peu de distance, et là, le démon se glisse, il y a un boulevard pour lui, quoi. Puis jusqu'au moment où la vie avec Evelyne, pour moi, c'était terminé, quoi. Je ne pouvais plus vivre avec elle. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré une autre femme. Et donc, très vite, j'ai quitté la maison, physiquement quitté la maison, et je suis parti habiter avec elle. Au lieu immédiatement de retourner vers l'époux ou l'épouse pour être ensemble, pour être un, eh bien, il y a quelque chose, il y a un coin qui est mis dans la porte, et puis ça sépare de plus en plus. Quand c'est difficile, plutôt que de se détourner de l'autre, il faut au contraire se retourner vers l'autre. Et il faut aller faire des gestes, des petits gestes pour reprendre contact, faire des tentatives de reconnexion. Mais pour ça, il faut aussi réussir à baisser un petit peu les armes. Ta femme est enceinte du cinquième. Et toi, Olivier, tu te barres avec une autre femme. T'es père de 5 enfants et tu te barres. Voilà. Donc ça, c'est vrai que quand tu penses comme ça, C'est assez violent. Moi, à ce moment-là, je me disais, bon, de toute façon, c'est foutu avec Evelyne. Le divorce, finalement, après 11 ans de mariage, voilà, c'est normal. Voilà, donc je suis à peu près dans cet état d'esprit. On avait quand même des discussions assez chaudes, hein, si je puis dire. J'ai réussi à dire à Olivier, là, tu déconnes complètement, quoi. Mais moi aussi, j'ai déconné. Et alors là, il est tombé de sa chaise, quoi. C'était un séisme. Parce qu'en fait, tout ce qu'on avait vécu pendant nos 11 premières années de mariage, pour toi, c'était... Un mensonge. Voilà, tout devenait mensonge, en fait. Mmh. Ouais, donc en fait, ça... Oui. Donc il ne restait plus grand-chose. Non, il ne restait plus rien. Je comprends à ce moment-là qu'il faut que je change ça, que je veux qu'on apprenne à s'aimer sans les corps. Et donc Thomas finit par me dire, je ne comprends rien à ce que tu racontes, mais je te suis quand même. En fait, en arrêtant de s'unir, je suis guéri de ma peur que Victoire ne m'aime plus à cause de cette dimension charnelle de notre relation. En retrouvant cette liberté par rapport à nos corps, eh bien on s'aime encore davantage, on découvre un espace de liberté et de dons et d'amour nouveaux dans l'ordre de l'âme et dans l'ordre de l'esprit. Il y a beaucoup de sentiments de culpabilité sur cette question de l'amour avant le mariage. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut aussi le dédramatiser. C'est-à-dire que, voilà, à tout péché, miséricorde, le Seigneur peut nous recréer une virginité du cœur. Et c'est hyper concret, c'est-à-dire que les premières soirées, on ne sait pas quoi faire en fait. Mais comment on remplit une soirée quand on est des jeunes amoureux et qu'on a 20 ans et qu'on a décidé de plus donner? Les premières soirées sont incroyables. Sont incroyables parce qu'on est timide l'un face à l'autre, alors que ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble en fait. Et d'un coup, on retrouve une forme de timidité, comme si on ne se connaissait pas. Et on réapprend à s'aimer, complètement. Pour une femme, un mari qui se tait, c'est aussi frustrant que pour un homme, une femme qui ne se donne pas. Il y a une dizaine ou une douzaine d'années, finalement, on avait notre vie sexuelle, c'était la misère, quoi. On ne se retrouvait pas. J'étais vraiment malheureux et j'avais l'impression que Raphaël ne s'intéressait pas du tout à moi, que je ne comptais pas. Petit à petit, nos chemins se sont séparés, on a fonctionné en parallèle. Après, pendant toute une période, et ça a été vraiment difficile à vivre, quoi. Quand les absences de Pierre ont fait que moi, je me sentais de plus en plus seule, en fait. Une période, j'avais 5 ados à la maison.
Je disais, heureusement que tu m'appelles le soir, parce que tu es la première personne de la journée qui me parle gentiment. C'était quand même un peu difficile, et du coup, le fait de ne pas pouvoir se retrouver, de ne pas savoir se retrouver, ça a aussi contribué à nous éloigner, je pense. Et moi, je me suis petit à petit construit un cocon où j'étais bien, où c'était harmonieux, où j'étais heureuse, mais où il n'était pas. Puis au bout de quelques temps, quand l'un des conjoints est en souffrance, il se dit, mais... en fait, on ne prend plus le temps qu'on prenait avant quand on était fiancés. Quoi. C'est comme si tu n'avais plus le temps pour moi et l'autre qui dit, ben non, on a du boulot à faire, maintenant on passe à autre chose en quelque sorte. Ça, c'est un tue-l'amour absolu parce que à ce rythme-là, c'est comme si on déniait à l'autre le fait de lui consacrer du temps au niveau de ses émotions, au niveau de sa vie spirituelle, au niveau de l'intimité aussi. Il y a beaucoup de couples qui croient qu'une fois mariés, bon ben, c'est plus aussi important que ça d'avoir des relations sexuelles, alors qu'on brûlait avant quand on était juste fiancé. La tendresse, c'est tous les jours. Au début, vous étiez jeune marié, un petit baiser dans le cou le matin, ma chérie, je t'aime. Et puis maintenant, c'est salut, à ce soir. Bon, et c'est de la tendresse, ça. Et vous vous étonnez après qu'il y ait des trahisons et qu'il y ait des infidélités. Mais il n'y a plus aucune tendresse, il n'y a plus aucune délicatesse. On a vu que la sexualité, c'était spirituel. Donc il y a cette notion de protection qui est importante. Quand deux corps ne sont pas connectés, il n'y a plus cette protection spirituelle. Et ça, c'est terrible parce qu'au bout d'un moment, à force d'assécher, d'appauvrir le conjoint et puis soi-même en même temps, on met l'autre en danger d'aller répondre, de trouver une réponse à ses besoins en dehors du couple. Là, c'est une tragédie qui s'annonce, quoi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être marié, avoir célébré le sacrement du mariage et ne pas prier l'Esprit-Saint tous les jours. C'est comme si vous avez des poumons, mais vous viviez en apnée. Vous voyez, ce serait aberrant. On a mis 45 ans avant de découvrir qu'on n'avait jamais prié pour notre couple. Mais c'est un truc dingue, cette histoire. Puisque dans l'imaginaire collectif, il y a Dieu est complètement à l'opposé de la sexualité. Il y a comme dans l'imaginaire en disant l'Église est d'une part, la sexualité est d'autre part. C'est deux mondes qui sont complètement opposés et que jamais Dieu vient dans une chambre ou dans un lit. Mais au contraire, c'est lui qui l'a créé. Était au placard depuis très longtemps. Là, moi, j'ai appelé le Seigneur au secours, en fait. En fait, j'avais été touchée parce que je savais que beaucoup de personnes priaient pour nous. Et je m'en fiche totalement si Dieu n'est pas vivant dans ma vie, si Dieu n'a aucune espèce de réalité pour moi. Et je me suis mise à prier. En fait, j'ai surtout crié vers le Seigneur en me disant Seigneur, toi qu'on t'a invité à notre mariage, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, bah maintenant il va falloir que t'agisses parce que nous on n'y arrive plus quoi. Ma première prière, mais qui n'était pas une prière, qui était un cri vertical, c'était Seigneur, là j'en peux plus, je meurs de ne pas te connaître, donc si t'existes, viens dans ma vie. Et là, la foudre. Neuf mois plus tard, on se marie. On découvre du coup une sexualité qui n'est même pas comparable avec ce qu'on a pu vivre avant. Même ensemble en fait, même ensemble alors que notre amour était déjà grandissant et assez beau, en fait ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir parce qu'on a le don total est possible. C'est encore plus beau que tout ce qu'on nous avait dit en fait. Ça ressemble à ce que Benoît XVI décrit en disant que par l'éros, les époux peuvent atteindre un stade qui ressemble à l'extase. Ensuite je demande le baptême, je pose un choix. Et c'est vraiment entre l'absurde et le mystère, je fais le choix du mystère. Finalement, on s'était mis d'accord pour aller suivre une session Cana. Moi, je me disais, c'est super, ça va arranger les choses. Une semaine avant la session Cana, Raphaël me dit, on n'y va pas. De toute façon, c'était fichu. Je pensais que je ne retomberais pas amoureuse de Pierre. Je pensais qu'on n'allait pas encore une fois remuer tout ça. Ça ne servait à rien. J'étais dans une telle détresse qu'un jour, je suis parti. À pied, au milieu de la nuit. Il n'y avait pas de projet, mais je suis parti. Bon, en même temps, je disais des « Je vous salue Marie » de temps en temps sur la route. Je suis parti à minuit, je suis revenu à 4 heures du matin. Moi, je n'avais pas du tout conscience que mon refus d'aller à la session Cana avait été tellement difficile à vivre pour Pierre. Bah si, je tirais la gueule. Oui, mais c'était pas tellement original. Je
avant de venir à la session, on nous demande de réfléchir à notre histoire avec Dieu, c'est-à-dire tous les moments de notre vie, les lieux, les personnes où on a le sentiment que Dieu est venu à notre rencontre. Et donc, on avait 8 heures de route, on fait cette préparation sur le chemin. Et à un moment, Pierre me dit, je trouve que depuis la mort de Thaïs, notre petite fille qui est décédée à 4 ans, à 3 ans et demi, tu n'es plus la même, tu es tout le temps en colère, tu es triste, tu chantes plus, tu racontes plus l'histoire, tu as changé. Et ça, ça m'a complètement percutée. Parce que, en fait, j'ai réalisé que je m'étais mise au tombeau avec Thaïs. Et donc toute la session, je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour sortir de ce tombeau? Il s'est passé quand même un moment qui, pour moi, a été décisif. C'est qu'au cours d'une messe, on nous propose de s'avancer et de se laver les mains l'un à l'autre, puis de les essuyer, puis de les embrasser. Et pour moi, toucher Pierre avec respect, ça a été très guérissant de tous mes blocages physiques. Je ne le touchais plus volontairement ni volontiers. Et là, simplement laver ses mains, caresser ses mains, ça a été vraiment guérissant de ce blocage. Pendant cette session, on nous propose de renouveler nos promesses de mariage. Et alors là, le Seigneur est venu casser ma digue de protection, ma carapace, parce qu'au moment où j'ai commencé à dire à Raphaël, voilà, toutes les promesses de mariage, etc., j'ai eu une émotion énorme qui est arrivée. D'habitude, je ne manifeste jamais mes émotions. J'arrivais plus à parler et je me suis mis à pleurer comme une fontaine. Et tous les autres avaient terminé leur renouvellement de promesses de mariage et nous, on était toujours en train d'annoncer. Et puis, au bout d'un certain nombre de minutes, je me suis rendu compte que je ne pleurais plus de désespoir, mais que je pleurais de joie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'ai compris que ce Jésus que j'avais appelé du fond de mes entrailles, il était venu me rejoindre. C'est là, il m'avait répondu. Et il me disait, mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et ça m'a redonné en fait une espérance en me disant, mais de toute façon, il va sortir quelque chose de bon de tout ça, je ne sais pas comment. J'ai vraiment eu la certitude là que j'étais aimée infiniment et malgré tout ce que j'avais fait, quoi, en me disant, mais c'est moi qui ai tout foutu en l'air en cachant tout ça. Et je suis ressortie de la chambre et le miracle avait bien eu lieu en fait en moi. Mais moi, j'avais changé, ça m'a mis sur un chemin de guérison, de pacification, d'apaisement. J'ai été libérée, je pense, de cette désespérance, en fait. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'on va pouvoir se pardonner, quoi.